Bonsoir, soyez les bienvenus. Le Parken Stadium de Copenhague pour cette rencontre, cette première rencontre de Nations League entre le Danemark et la Belgique. Dit is een echte interland en dat is een lang jaar geleden, november vorig jaar. Alors vous le découvrez, les joueurs mettent un genou à terre dans le contexte et il y a le point levé de Romelu Lukaku. Een heel straffe statement van 22 voetballers. Carrasco gaat vrije trap nemen. Le pied droit de Yannick Carrasco. Et sur la transversale. Een draaibal van Yannick Carrasco buiten het bereik van Kasper Schmeichel. Tegen de doellat. Eerste corner van de wedstrijd. En de... Ah, goeie. Het is 0-1 voor de Rode Duivels. Jason De Nayer. De binnenkant, een linkervoet en zijn allereerste doelpunt. Dat maakt hij dus in Denemarken, in Parken. Jason De Nayer, après 8 minuten de jeu, le sourire de De Nayer. 0-1 pour les Diables Rouges. Et c'est le premier but de De Nayer en équipe nationale pour sa 14e cape. Schot van Eriksen, save van Mignolet. Très bonne frappe, très lourde. Et un bon arrêt de Mignolet, qui était important. Lukaku, mooi in de dekking aangespeeld. Lukaku, krijgen we een penalty? Niet, zegt Scherer, maar wel een doelpunt. Dries Mertens, 0-2. Dries Mertens, 0-2 pour les Diables. 76 minutes de jeu. Le deuxième but pour les Diables Rouges, pour l'équipe nationale. Ce but de Dries Mertens. Et Leandro Trossard, il s'agit de sa première cape. Hein. Il avait déjà été sélectionné, mais il n'avait jamais eu le bonheur de jouer. Et pour Doku et son début. Twee Anderlecht-mannen komen elkaar hier tegen in het Parkenstadion. Einde van de match geeft Scherer mee. De Rode Duivels openen in de Nations League nagenoeg foutloos. C'est la fin de cette rencontre. Victoire des Diables, victoire de l'équipe nationale 0-2 ici au Danemark. Première victoire donc dans cette Ligue des Nations.